Félicité, aujourd'hui on est là pour un petit book haul particulier. Aujourd'hui je suis allée thrift shopper avec ma meilleure amie qui est revenue enfin de son voyage en Suède. Et c'est ça, donc on est allé faire quelques thrift shop et j'ai acheté un petit peu trop de livres. Vous allez voir qu'il y a peut-être un petit thème dans ce book haul là. On va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par vous raconter une petite anecdote avant. Donc la nuit juste avant, j'arrivais pas à dormir, là, je pensais à des livres, tu sais. Comme on fait dans la vie, normalement. Et je me suis dit, oh, j'ai vraiment le goût de lire L'autre monde de Michel Tremblay. Je l'ai déjà lu quand j'étais au secondaire, mais comme j'ai soudainement eu le goût de le relire, je me suis dit, ok, je vais aller le chercher à la bibliothèque parce que je l'ai pas chez moi. Donc, c'était mon plan. Donc, je vais comme, je vais peut-être pas y aller demain parce que je savais que j'avais des choses prévues. Je vais comme, dans la semaine, je vais à la bibliothèque. Parfait. Cela dit, j'arrive finalement au thrift shop. Donc, premièrement, je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé La petite marchande de prose de Daniel Pennac. Donc, qui est le troisième tome de la série des Malastènes. J'ai seulement lu le premier, mais j'ai déjà La fée carabine à la maison et je voulais avoir la série complète. Donc, j'étais contente de le trouver. En plus, c'est la même édition que j'avais déjà les deux premiers tomes, donc c'est vraiment le fun. Ensuite, j'ai trouvé Les Aurores Montréal de Monique Proulx. Donc, qui est un livre que j'ai trouvé aussi assez le fun de trouver parce que ça, je venais de parler de Monique Proulx avec quelqu'un récemment sur Instagram. Donc, je trouvais ça un drôle de hasard. J'étais vraiment contente. Je l'ai pris. Ça a l'air vraiment bon. On m'a dit très bonne chose là-dessus. Et ensuite, surprise, je trouve un premier livre de Michel Tremblay, Les Vues annuées. J'étais comme, ah, c'est un drôle de hasard que je tombe sur un livre de lui, juste comme je pensais à un de ses livres. Donc, tu sais, je te le prends. Et ensuite, je tombe sur 12 coups de théâtre de Michel Tremblay. J'ai comme, ok, c'est pas super. Puis ensuite, je tombe sur Marcel poursuivi par les chiens et En circuit fermé, encore une fois de Michel Tremblay. Donc, j'étais assez contente. J'étais comme, waouh, deux pièces de théâtre puis deux de ses romans, c'est vraiment fun. J'achète ça. Donc, on passe à un autre friperie. Et là, encore une fois, je trouve Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay. Et trois autres pièces de théâtre. Albertine en 5 temps. Le vrai monde, qui est le livre que j'avais envie de lire, et Le train. Donc, j'étais vraiment, vraiment contente de cette drôle de coïncidence-là que je trouve comme plusieurs livres de Michel Tremblay comme ça, juste après que je me sois dit que j'avais le goût de lire un de ces livres. Donc, il a fallu que je les achète toutes. Et donc, c'est ça, juste ça, en partant, quelques petits livres. Et comme je les ai pris dans le frigo, ça m'a coûté comme une vingtaine de dollars pour tous ces livres-là, donc j'étais vraiment contente, c'est vraiment le fun. Mais là, surprise, j'arrive à la maison et j'ai reçu la commande de livre que j'avais passé au Indigo la semaine dernière. Donc j'ai eu Siege and Storm d'Ellie Bardugo, qui est le deuxième tome de la série Grisha. Donc ça se passe dans le même univers que les Six of Crows que j'avais beaucoup aimé, si vous vous souvenez. Donc yay! Et aussi The Love Interest de Kael Dietrich. Je suis pas certaine de comment on dit ça. J'espère que je l'ai pas trop massacré. Donc, qui est en fait l'histoire de deux espions qui doivent séduire une femme. Ils font partie d'une espèce de, pas de compagnie, mais une organisation en fait, je sais pas sûr si c'est gouvernemental ou pas, qui forme des jeunes hommes pour qu'ils deviennent soit des bad boys, soit des gentils, puis ils doivent séduire des personnes d'importance pour gagner des renseignements. Donc c'est ça leur but. Et là, les deux garçons doivent séduire une fille qui est la fille de quelqu'un, je sais pas trop, pour avoir justement des renseignements. Et il y en a un qui est un bad boy et un qui est un gentil, et c'est ça, donc. Ils sont en compétition pour la séduire, mais l'affaire c'est que celui qui va échouer, qui va pas finir avec la fille, il va mourir. Donc c'est pour ça qu'ils gardent comme l'organisation vraiment serrée, on dirait. Mais étrangement, les deux n'ont aucun intérêt pour la fille, ils tombent finalement en amour l'un avec l'autre, et donc c'est ça. Donc, sachant que les deux vont mourir, ça doit compliquer les choses un petit peu plus, puis ils sont en compétition et tout, donc ça a vraiment bon, j'ai entendu de très bonnes choses là-dessus. J'ai vraiment hâte de commencer ça. Définitivement, je vais le lire ce mois-ci, parce que genre, waouh, il y a tellement de hype sur ce livre-là. J'ai vraiment hâte. Et en plus, encore une fois, coïncidence, je suis entrée et mon amoureux était passé à la librairie, donc il a décidé de me prendre un petit quelque chose et il m'a acheté Rebel Rising de Beth Revis, qui est encore une fois un livre sur le Star Wars. C'est sur Jyn Erso, donc ça se passe entre Catalyst, ben ça se passe avant Rogue One dans le fond. Ça pourra se passer après, hein? C'est ça que j'avais vraiment hâte de lire. Donc c'est une version adolescente des aventures de Jyn Erso. J'ai vraiment, vraiment hâte de lire ça. J'ai vraiment aimé le personnage, j'avais adoré Rogue One et ces temps-ci je suis très Star Wars au cas où ça paraîtrait pas. Donc j'ai pas mal hâte. Donc c'est ça, j'ai eu comme 14 livres. Non, j'ai oublié
J'ai aussi acheté, comme ce soir-là, un autre livre, mais c'est sur mon téléphone. Puis je sais pas où j'ai mis mon téléphone. Je parle de si. Je sais pas où j'ai mis mon téléphone, mais j'ai acheté un autre livre, ça s'appelle Haven. C'est de. C'est qui a écrit ça? Mon Dieu, j'aurais peut-être dû trouver mon téléphone. Mais en tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler sur Twitter, on m'a dit que c'est vraiment bon, je suis intéressée, je suis allée regarder ça. C'est un livre qui se vend sur Amazon. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien en description. Et ce que je ne savais pas, je suis tombée là-dessus, j'ai cherché comme wow, le livre a vraiment bon, la façon que les gens en parlent. Donc je cherche et je suis comme oh, ok, c'est le premier livre d'une série qui parle de bondage. Donc ouais, ça promet d'être assez intéressant. J'ai déjà commencé, je pense, j'ai lu comme 300 pages sur 7000, mais je lis sur mon téléphone donc d'après moi, il n'y a pas vraiment 7000 pages dans le livre. Juste comme sur mon téléphone, il y a 7000 pages. Mais ouais, ça se lit assez vite. Et c'est rapidement, ça devient intéressant, donc je pense que c'était un bon achat. Parfait, donc c'est ça, un tout petit book haul. Et là, j'ai mes plus petits livres en bas et mes plus gros livres au-dessus parce que je suis très intelligente. Mais oui, j'ai vraiment hâte de tout lire ça. Je suis vraiment contente. J'avais seulement un livre en fait de Michel Tremblay, puis c'était L'année du Prince Charmant que j'ai beaucoup aimé en passant. Et donc, je suis pas mal contente d'avoir pu renflouer ma collection. Puis aussi, ces deux livres-là que je cherchais, je suis pas mal heureuse.